pas. Bah, peut-être qu'on va voir là-dessus. 2, 4, 6, 8, 10. Bon, c'est dégradé, ça serait le nom du coup. Ok, du coup, enfin, trop l'histoire. Ouais. Du coup, on est parti sur ça. Bon, alors ça, le bandeau et le logo, enfin, c'est les affiches iPhone quoi. Bon, le logo, c'est pas ça. Hein. Enfin, le bandeau, ce sera pas ça, ce sera juste tous nos noms, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps. Du coup, on voulait le mur vert parce qu'il est cool. Et devant, on cherchait à faire un truc un peu de la vie quand même, tout ça. Donc on a pris une photo de la main d'Emma avec un collier de clés. Parce que du coup, bah, c'est les clés quoi, genre d'être enfermé et tout. On trouvait que c'était pas mal ouais, esthétique la façon. Et le fait que ce soit sur un collier, c'est très bien. Ça donne un truc un peu. Voilà. Après, effectivement, dégradé, ce serait le titre. En fait, là, genre, c'est dégradé en mode les murs sont dégradés, leur amitié est dégradée, un peu tout est dégradé. Mais du coup, là, c'est en inclusif. Donc en fait, dans le titre, des choses dont on parle quand on dit dégradé, c'est vraiment genre les personnes en un peu de tête quoi. Ouais, genre chacun et chacune est un peu dégradé. Du coup, le Covid est passé par là, le 235 a un peu perdu de sa splendeur, enfin disons de l'essence dans laquelle on le voyait. Mais j'en suis quand même très fier, je sais que je pense que tout le monde est très fier et il y aurait raison d'en être très fier parce que au-delà du côté organisation qui a été très catastrophique à cause du Covid, parce que s'il n'y avait pas eu le Covid, clairement, ça aurait été très très bien organisé. Et bah là, on a fait un projet exceptionnel, très long pour le temps qu'on avait. Ça dure plus de 25 minutes. Et c'est qualitatif, c'est pas genre 25 minutes nul. Après, c'est des avis subjectifs, évidemment, mais clairement, je pense que c'est quand même vraiment bien. Et on a changé nos méthodes de travail par rapport au 234, on les a améliorées et ça a clairement réussi. Quand on refera un autre projet, du coup, on ne sait pas quand, pas avant plusieurs mois, je pense. On améliorera encore nos méthodes de travail, on réussira encore mieux. Et vraiment, personnellement, j'en suis très fier. Il n'est pas encore fini, mais je sais que j'en serai très fier quand je le verrai fini. Et voilà, je ne peux pas vous dire plus de choses à propos du projet. Parce que on est carrément dans le flou, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra le sortir, ni rien. Mais voilà, c'est une superbe expérience malgré le Covid. Et ça donne beaucoup d'espoir pour le 236 et le 237 et ainsi de suite, qui on espère se feront sans Covid. Du coup, je m'appelle Karim, je suis le caméraman pendant ce tournage et pendant les autres tournages. Je fais l'étalonnage aussi. Je fais un peu de musique pour ce projet. Niveau de fatigue, sur l'échelle de 10, je dirais 7, parce qu'on a dormi un peu. Et un mot pour la fin, un mot sur le tournage. J'ai perdu mon portable. Bonjour, je suis très mal à l'aise. Alors moi c'est Emma, c'est sûrement l'une des seules fois où on me voit parce que je suis le making of. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ton niveau de fatigue? Ah oui, de 1 à 10, en plus c'est moi qui ai inventé cette règle un peu nulle. En vrai j'aurais dit 6 hier parce que genre on m'a réveillée à 3h du matin donc forcément le sommeil n'était pas là. Mais sinon là tranquille vu que je suis sûrement dans celle qui dorment le plus, enfin ceux qui dorment le plus, du coup je dirais genre 4 parce que j'ai mal aux yeux, mais c'est sûrement parce que je mets pas mes lunettes, mais en vrai ça va. Voilà, et sinon bah ambiance du tournage trop cool. Bonjour Nel. Coucou, je viens chercher mon ordinateur. Eh bien prends, fais comme chez toi. Mais c'est sinon, pas normal que ce soit fermé. Un mot pour la fin, j'ai mal à mes portes. Eh bien nous sommes le jeudi 29 octobre, il est 16h05, le projet est censé être fini dans 2h à 18h puisque nous devons partir de la maison non plus demain, mais aujourd'hui à 19h. C'est mal gagné, c'est mal barré, c'est pas gagné, c'est pas barré. Parce que c'est trop court quoi, mais bon, on fait de notre mieux. De notre côté, on essaye d'avancer le générique pour pouvoir le uploader. Ça semble compliqué que le film soit fini dans 2h. Parce qu'en fait, vu qu'il faut qu'on parte à 19h, il faut que le film commence l'export de la version du film normalement à 18h pour que l'exportation qui prend quand même un peu de temps ait le temps de se faire et qu'avec un peu de chance, on ait le temps de regarder le film avant de partir.
Donc c'est pas gagné-gagné. À l'origine, les projets 234 et suite, c'est le principe, c'est qu'en 3 jours, on doit faire un film et qu'à la fin des 3 jours, on n'a plus le droit d'y retoucher. C'est ce qui s'est passé pour le 234 et il y a quelques erreurs dans le montage, dans ce qu'on a écrit, etc. Mais on n'y a pas retouché depuis parce que c'était le but. Là, pour le 235, voilà, à situation un peu extraordinaire, règle extraordinaire, donc on change. Là, il y aura le droit d'y retoucher après parce que, enfin, on a... Finissant à 18h au lieu de 24, bah voilà, on a 5, beaucoup de temps en moins. Et 5h en moins, en considérant que c'était à 23h qu'il fallait commencer l'exportation. 5h, ça fait vraiment la différence. Ça fait la différence pour l'étalonnage, ça fait la différence pour le travail du son, et ça fait aussi, par exemple, la différence pour le générique final. Donc on s'autorise à continuer à travailler sur le film plus tard. Ça va être très compliqué puisqu'on va être confiné chacun et chacune chez soi, mais on fera ce qu'on peut et peut-être du coup que le film on le finira plus tard, à un moment où on pourra se revoir à plusieurs quand la situation sera un peu calmée, espérons, mais là maintenant c'est complètement, enfin je pense que c'est vraiment compliqué de se projeter. Quand on a essayé de se projeter, on s'est rendu compte que les trucs allaient plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Mais en vrai, tu pourrais faire genre 72 lignes, mais c'est juste que bah, plus tu fais de lignes, et plus ça cache l'image, quoi. Oui, oui. Et ce qu'on fait souvent, oui, okay, c'est quand il y a ça, beaucoup ça de dialogues qui se changent, on écrit genre, mais là tu viens de le couper, mais c'est pas grave. C'est genre, tu vois, ça fait 0,9, enfin là c'est le début où il dit sérieux. Ça dure pas longtemps. Baby, I got this summer vibe. Baby, I got this summer vibe. Baby, I got this summer vibe. Baby, I got this.